Lourdes, Camille et Ryan se soucient de Sandro. Sandro révèle à Lourdes qu'il doit une dette à Marconi et la femme prétend qu'il aidera son fils. Durval apprend à Thelma à faire du vélo. La Bettine connaît Mathias. Camille se méfie de Nice. Victoria s'entretient avec Alvaro. Pour avoir débarrassé de la détention de Vicente, le Belisario réprimande Vincent. Megno invite Bettine à vivre chez elle. Lia séduite par Tels. Lourdes dit à Thelma qu'il a l'intention de vendre sa maison pour rembourser la dette de Sandro. Nuno accepte de conclure des accords avec Lourdes. Camille, Ryan et Megno croient que Lourdes et Sandro cachent quelque chose. Victoria découvre que Lourdes a vendu sa maison. Lourdes est enlevée. Sandro désespère et implore Marconi de sauver la vie de Lourdes. Marconi sauve Lourdes et affirme que la dette de Sandro est remboursée. Sandro assure à Lourdes qu'il rachètera sa maison. David révèle à Victoria qu'il sort avec Magnus et Bettine déclare leur amour. Erika dit à Lourdes que Raoul lui a proposé. Alvaro attrape un micro avec Amanda. Amanda se rend compte qu'elle est suivie par Belisario. David aide Amanda à rejeter le dossier contre la PWA. Il conseille à Raoul de dire qu'il a acheté le salon pour Erika. Lydia et Erika attaquent. Raoul aide Estelle. Et Gunner demande à David de protéger Amanda d'Alvaro. Lucimara se confie à Lydia que Raoul a acheté le salon pour Erika. Léla se réveille du coma. Lourdes avertit Megno que Léla s'est réveillée. Natalia conseille à Victoria de savoir qui est la petite amie de David. Durval s'insinua. Tedou, qui ne comprend pas. Léla dit à Megno qu'elle veut reprendre sa famille. La victoire confronte David à propos d'Amanda. Lourdes encourage Sandro avec son nouveau travail. Lydia révèle l'Erika que Raoul a acheté le salon. Brenda se rend à Léla. Magnus et Bettine sont préoccupés par leur situation. Amanda met en garde Danilo contre la fermeture de l'école où travaille Camille. Thelma est enchantée par Gab. Et Durval est gêné. Même robuste, Marina remporte un match de tennis et Ryan vibre. Alvaro demande à Amanda d'accéder à l'échange de courriel entre Victoria et Davy. Léla interroge Bettine sur sa relation avec Megno. Bettine finit par commenter avec Léla sur la maladie génétique de Brenda. Durval est jaloux de Gab, mais Thelma ne le remarque pas. Léla dit à Megno qu'elle souhaite avoir un nouveau bébé pour guérir Brenda. Raoul convainc Erika d'accepter la salle comme cadeau. Thelma reçoit une invitation de Gab. Megno assure la Bettine qu'il n'abandonnera pas sa relation et vend de la victoire avec Miranda. Lourdes est ravie quand Victoria pense à louer Sandro comme un chauffeur. Victoria connaît Sandro. Lydia et Tels sont ensemble. Thelma rencontre Gab et les deux baisers. Durval déplore la frustration de la Caroline à l'égard de Thelma. Magnus communique à Léla qu'il souhaite épouser la Bettina. Megno explique Léla qu'elle vit avec Bettine, mais assure son ex-femme qu'elle l'aidera.
Ryan met fin à sa relation avec Marina. Marina remercie le soutien de Samuel. Raoul assure David qu'il désactivera le conduit clandestin du PWA. Leila fait des insinuations sur le grand pour la Bettina. Thelma se sent menacée par Belisario. Marina présente à Ryan une nouvelle guitare et Camille encourage son frère à transformer sa souffrance en musique. Alvaro prend la peine de négocier des décisions avec Raoul. Leila dit à Pena qu'elle se battra pour sa famille. Thelma rouvre son restaurant. Gab et Thelma s'embrassent et Durval voit Ryan surprend Marina à l'aéroport et une fille filme la rencontre des deux. Marina abandonne les voyages. Leila retourne à la maison de Lourdes. Dans la circulation, Vittori entre dans le travail. Sandro aide Victoria à accoucher. David rend visite à Victoria et Sofia. À l'hôpital, Durval invente pour Thelma qui sort avec une femme. Brenda annonce à Ryan que la vidéo de sa surprise pour Marina a été un succès. Sur les médias sociaux, David est enchanté par la force de Victoria. Erika est troublée par l'attitude de Lucimara et Raoul conseille les bien-aimés. James est jaloux de Sofia. Danilo drapeau Gab avec Thelma. Lydia commente Tels avec Estelle, qui célèbre le succès de son plan de vengeance. Marconi est autour du poste dans lequel travaille Maegno et Sandro le gronde. Gabin suggère de travailler au restaurant de Thelma et Lourdes alerte son ami. Erika Lissande Lucimara et Raoul soutient la femme. David révèle à Raoul qu'il a menti sur le conduit. Raoul affronte Alvaro. Marconi est à la recherche de Gab dans le restaurant de Thelma. Marconi menace Gab, qui méprise Thelma. Durval est dévasté par la nouvelle de la parade nuptiale de Thelma. Marina assure Samuel qu'elle sera une championne. James s'approche de Sofia et Victoria est ravie. Johanna remercie le soutien de Camille, mais Nuno grotte sa fille pour avoir passé trop de temps à l'école. Davy et Amanda expliquent au projet de Camille et Danilo Alvaro de fermer l'école. Belisario récupère son paiement à Marconi et prend Gab en otage. Thelma a peur de sa vie. Carole demande à Natalia de la présenter à Ryan. Marconi sauve Gab, qui accepte d'utiliser le restaurant de Thelma pour les négociations du bandit. Durval apprend à Danilo à cuisiner. Sandro dit qu'il va payer le loyer de la maison de Lourdes. Camille découvre que Lourdes a vendu la maison à Nuno. Camille exige que Lourdes dise la vérité sur la vente de la maison à ses frères. Raoul s'inquiète de la fuite d'informations sur le PWA et Alvaro tente de remonter le partenaire. Leila demande à Maegno de parler à Erika pour l'aider avec son apparence. La nourriture de Danilo est un succès. Et Nuno promeut le garçon. Gabin nuit à Thelma pour aider Marconi. Carole interviewe Ryan, qui célèbre sa première émission officielle. David D. Amanda sont en train de défaire. Gab et Thelma prennent des cours de tango avec Durval, qui est dévasté par l'harmonie entre les deux. Lourdes révèle à ses enfants qui ont vendu sa maison pour payer la dette de Sandro, qui a honte des frères. Bouteille d'aération avec Camille.
Carla nous fait une offre d'emploi pour Ryan. Thelma trouve un objet étrange parmi ses cargaisons de poissons et parle à Gab, qui feint l'indignation. Victoria appuie Amanda de démissionner de la PWA. Amanda dit à Victoria qu'elle va démissionner. Sandro pense à quitter la maison, mais Lourdes soutient son fils. Marconi presse Gab, qui méprise Thelma. David défend Victoria pour Amanda. Victoria parle avec David. Johanna communique à Camille qu'elle ne sera pas en mesure de poursuivre son projet de l'application pour les mères. Victoria découvre que Sandro a été élevé par Katia. Victoria révèle au sûr qu'elle n'a pas perdu son bébé avec Raoul. Estelle commente avec George son plan contre Lydia. Sales se déclare Lydia. Alvaro découvre la trahison d'Amanda. Camille parle à Nuno de Johanna. Ryan clôt des accords avec Carlano. Oliviera invite Lourdes à partir. Victoria se rend dans la communauté où vivait la ville et Farula démissionne de l'avocate. Bellario fait face à Egan, qui ne peut pas résister. Alvaro informe Amanda que son père est décédé. Victoria confronte Daisy à propos de l'endroit où se trouve son fils. Daisy révèle la victoire que Corsia a menti. Thelma voit Gab avec Marconi. Leila avoue à peine qu'elle cachera ses progrès avec la physiothérapie. Danilo est stupéfait par l'anxiété de Thelma face à la naissance d'un petit-fils. Amanda souffre de la mort d'Aginor. Amanda fait face à Alvaro, qui dit qu'elle poursuivra l'ancien secrétaire. Bettine élogieuse le faible développement de Leila. Sales demanda Lydia en parrain. Natalia devient inconfortable avec Durval à cause de la Caroline. Bettine s'émeut avec Erika à propos de Leila. Danilo et Camille disent à Thelma qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants maintenant. Bettine demande un divorce de Vicente. Lydia donne une voiture à Comte. Natalia insinue que Carole doit vivre avec Durval. Thelma sabote les préservatifs de Danilo. Sandro distribue des cadeaux à Lourdes et à sa famille.